1902, Selma Lagerlöf reçoit une commande de l'Association nationale des enseignants de Suède. Il s'agit d'écrire un livre sur la Suède, un livre à destination des enfants des écoles publiques. Et pour cela, elle parcourt son pays pour l'observer, pour y recueillir des anecdotes, des légendes, pour les incorporer à son récit. À l'origine, écrit pour faire découvrir la géographie de leur pays aux petits Suédois, ce roman initiatique est finalement devenu un classique de la littérature de jeunesse. Et pour ce livre, Selma Lagerlöf sera la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909. La lecture illustrée de ce soir présente 6 courts extraits issus de la version intégrale du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. 6 extraits souvent absents des nombreuses versions abrégées qui existent, mais 6 extraits choisis en fonction de leur poésie, de leur thématique, de leur résonance. Ce sont des extraits qui ne chercheront pas forcément à restituer l'intrigue principale du film, du livre. Pour situer le premier extrait, on peut juste préciser que Nils Holgersson est un jeune garçon de ferme suédois. Il habite en Scanie, région du sud du pays. Et un jour, il se retrouve réduit à une taille minuscule suite à la malédiction que lui jette une sorte de lutin suédois, une créature de la mythologie scandinave que l'on appelle un tonte. En voulant retenir son jar blanc, subitement tenté par l'appel des oiseaux migrateurs, Nils oublie sa taille de poussée. Et le voici emporté dans les airs, vers le nord, en compagnie d'un troupeau d'oies sauvages qui rejoint la Laponie pour y passer l'été et s'y reproduire. Dimanche 20 mars. Le garçon fut perdu pendant un moment tant la tête lui tournait.
L'air sifflait. L'air suintait à ses oreilles. Les ailes battaient. Les plumes frappaient l'air en un véritable mugissement de tempête. C'était 13 oies qui volaient autour de lui, battant l'air à grands coups d'ailes et criant tant et plus. Toutes ondulaient devant ses yeux. Ça bourdonnait dans ses oreilles. Il n'aurait su dire si elles volaient haut ou bas, ni même où elles allaient. Enfin, il retrouva suffisamment ses esprits pour comprendre qu'il lui fallait savoir où les oies l'emmenaient ainsi. Mais ce n'était pas si simple que ça, car il se sentait incapable de regarder en bas. Il savait que le vertige l'attendait s'il essayait. Pourtant, les oies sauvages ne volaient pas très haut, puisqu'elles savaient que leurs nouveaux compagnons ne pouvaient pas respirer dans l'air raréfié des altitudes. Et c'est pour lui aussi qu'elles volaient un peu moins vite que d'habitude. Mais au bout d'un moment, le garçon se força quand même à jeter un œil en bas. Il découvrit qu'au-dessus de lui, on avait étalé une grande nappe, divisée en quantité incroyable de carreaux, petits et grands. Le garçon ne put s'empêcher de rire en contemplant ce véritable quadrillage. Mais quand les oies l'entendirent rire, elles crièrent, comme sur un ton de reproche. Terre riche et fertile. Terre riche et fertile. Au soir du dimanche 20 mars. Aka de Kebnekaise, qu'est-ce que vous me voulez? Demanda l'oie de tête. Le blanc prend du retard. Le blanc prend du retard. Dites-lui que c'est plus facile de voler vite que lentement, cria l'oie de tête sans ralentir. Aka, Aka, Aka de Kebnekaise. Crièrent alors les oies de queue, voyant les difficultés du jar. Que me voulez-vous encore? Demanda l'oie de tête, apparemment irritée. Le blanc tombe vers le sol. Le blanc tombe vers le sol. Dites-lui qu'il est plus facile de voler haut que bas. Crièrent celles qui volaient en queue. Mais vous ne pouvez pas me laisser tranquillement voler? S'exclama l'oie de tête, terriblement agacée. Le blanc va s'écraser par terre. Le blanc va s'écraser par terre. Dites-lui que celui qui n'a pas la force de nous suivre n'a qu'à rentrer chez lui.
voilà, c'est donc ça, pensa le jar, comprenant tout à coup que les oies sauvages n'avaient jamais eu l'intention de l'emmener avec elles jusqu'en Laponie. Elle ne l'avait incité à abandonner sa ferme que pour s'amuser. Il était furieux de sentir ses forces l'abandonner. Le plus vexant, c'était d'être tombé sur Akka de Kebnekaise. Il avait entendu parler de cette oie, chef de bande nommée Akka, âgée de plus de 100 ans. Sa renommée était si grande que les meilleures oies sauvages se joignaient à elle. Mais personne ne nourrissait autant de mépris pour les oies domestiques qu'Akka et sa bande. Il volait lentement à la traîne maintenant, en se demandant s'il allait faire demi-tour ou continuer. Quand soudain, le gamin qu'il portait sur son dos dit « Mon cher Martin Jarre, dis-toi bien qu'il sera impossible pour toi qui n'a jamais volé auparavant de suivre les oies sauvages jusqu'en Laponie. Ne devrais-tu pas faire demi-tour avant d'être épuisé ?» Mais si le Jarre détestait quelqu'un à la ferme, c'était bien ce gamin. Et dès qu'il comprit que ce morveux l'estimait incapable d'entreprendre le voyage, sa décision fut prise. Il tiendrait le coup. Il tiendrait le coup. Vendredi 8 avril. Après avoir passé la nuit sur la pointe nord d'Öland, les oies sauvages se dirigeaient vers le continent, à bonne vitesse, malgré un fort vent du sud qui soufflait sur le détroit de Kalmar et les poussait vers le nord. Mais lorsqu'elles s'approchèrent des premiers récifs, elles entendirent un vacarme étourdissant, comme si un immense vol d'oiseaux aux ailes puissantes s'était approché, et d'un coup l'eau au-dessous d'elles devint noire. Mais avant que les oies eussent rejoint la mer, la tempête venue de l'ouest les surprit. Déjà, elles chassaient devant elles des nuages de poussière, une écume salée et des petits oiseaux emportés. D'un coup, elle balaya aussi les oies sauvages, les bouscula, les repoussa vers le large. La tempête fut épouvantable. Plus d'une fois, les oies essayèrent de reprendre leur route, mais elles en furent incapables et dérivèrent vers la Baltique. Ainsi sur toute l'étendue de la Baltique, et lorsqu'elle comprit qu'elle serait incapable de faire demi-tour, elle essaya une nouvelle fois de se poser sur l'eau. La houle déjà forte ne faisait qu'augmenter. Mais les oies sauvages ne craignaient pas l'agitation des vagues, au contraire, elles semblaient s'en amuser. Elles ne se fatiguaient même pas à nager, mais se laissaient hisser sur les crêtes des vagues et glisser dans leurs creux, aussi heureuses que des enfants dans une balançoire. Leur seul souci était de rester ensemble. Les pauvres oiseaux de terre, emportés par la tempête, criaient au-dessus de leur tête. « Vous avez de la chance, vous, de savoir nager !» Mais les oies sauvages n'étaient pas hors de danger pour autant. D'abord, parce que ce balancement les endormait irrésistiblement. Ne vous endormez pas, les oies. Celle qui s'endort s'éloigne de la bande et celle qui s'éloigne des autres est perdue. Des phoques ! Des phoques ! Des phoques ! Cria Akka d'une voix forte et perçante. Et d'un coup, elle s'envola en faisant claquer ses ailes.
était temps. Quand la dernière quitta l'eau, les phoques étaient si frais qu'ils frôlèrent ses pieds du museau. Et les oies se retrouvèrent ainsi dans la tempête qui les chassait vers le large. Nulle part, elles n'apercevaient la terre. Partout, c'était une mer déserte. Toute la journée, la tempête fit rage et causa d'irréparables dommages aux nombreux vols d'oiseaux qui, à cette époque de l'année, entreprenaient leur migration. Certains furent emportés vers les terres étrangères où ils périrent de faim. D'autres, épuisés, tombèrent dans la mer et s'y noyèrent. Beaucoup furent écrasés contre les falaises ou finirent proie des phoques. Aka commençait à se demander si elle-même et toute sa bande n'allaient pas périr. Totalement épuisés, les oies ne voyaient aucun endroit où se reposer. Vers le soir, Aka n'osa même plus se poser sur la mer car celle-ci était encombrée de grandes plaques de glace qui s'entrechoquaient et qui les auraient écrasées. Au coucher du soleil, les oies étaient encore en l'air et continuaient de l'avant, appréhendant la nuit. Le soir, avec tous ces dangers qui les guettaient, l'obscurité semblait venir bien trop vite. Toute la journée, les cris des oiseaux migrateurs en difficulté avaient résonné au-dessus de la mer sans que personne y prêtât attention. Et maintenant qu'on ne les voyait plus, les cris semblaient plus sinistres, plus inquiétants. En bas, sur la mer, les plaques s'entrechoquaient dans le plus grand fracas. Les phoques alors entonnèrent leur lugubre chant de chasse. Et ce fut comme si le ciel et la terre avaient été en train de s'effondrer.
Mercredi 15 juin. Sur la route de la Laponie, Nils tombe dans la mer. Il est repêché par un pêcheur, puis vendu comme objet de curiosité, et se retrouve captif. Aidé par l'aigle Golgo, il parvient à se libérer et part rejoindre les oies. Mercredi 15 juin. 10 ans plus tôt, sur la large crête montagneuse où Gorgo avait laissé le pousset, un incendie avait fait ses ravages. Ça et là, des souches noires entre les dalles de pierre certifiaient qu'il y avait eu ici une grande et belle forêt, mais désormais aucune jeune pousse d'arbre ne pointait du sol. Les gens se demandaient pourquoi la forêt mettait tant de temps à recouvrir cette nouvelle crête. Mais ils oubliaient qu'après l'incendie, le sol n'avait pas reçu d'humidité. Il y avait eu une longue période de sécheresse. C'était la raison pour laquelle non seulement les arbres avaient été éliminés, mais aussi la raison pour laquelle l'humus qui couvrait ce roc était lui-même devenu sec et poudreux, comme de la cendre. Après 10 longues années d'un nettoyage par les vents et les pluies, la montagne se trouvait si nue qu'on pouvait la prévoir aussi désertique jusqu'à la fin des temps. Pourtant, un jour du début de l'été, tous les enfants des environs de cette montagne ravagée par le feu s'assemblèrent devant un des bâtiments de l'école. Et chaque enfant portait qui une pelle, qui une pioche sur l'épaule, et le sac à provisions dans la main. Dès qu'ils se trouvèrent tous rassemblés, ils formèrent un long cortège qui se dirigea vers la forêt. Un étendard était porté en tête. Instituteurs et institutrices marchaient sur les côtés, et derrière eux suivaient 2 gardes forestiers et un cheval tirant une charrette remplie de plants de pin et de graines de sapin. Le cortège ne s'arrêta pas dans les bosquets de bouleaux proches des habitations, mais s'enfonça loin dans la forêt, suivant d'anciens sentiers d'alpage. Arrivé sur le sommet, sur l'étendue dénudée où les pierres gisaient nues et les dalles restaient lisses, tous ces enfants s'éparpillèrent. Ce fut comme si une éclaircie s'était ouverte dans le ciel. À nouveau, il existait ici quelque chose de joyeux et de bon, de sain et de fleuri. Tous ces jeunes enfants en pleine croissance allaient peut-être aider la pauvre crête abandonnée à retrouver un peu de vie. Lorsque les enfants eurent mangé et se furent reposés, ils saisirent pelles et pioches et se mirent au travail. Tout en plantant, les enfants s'assuraient l'un l'autre très sentencieusement que les petites pousses qu'ils mettaient en terre allaient lier l'humus et l'empêcheraient de s'en aller. S'il n'était pas venu, tout l'humus aurait définitivement été emporté par le vent et l'eau, et la montagne n'aurait jamais pu être couverte d'arbres. « Oui, c'est une chance que nous soyons venus, » disaient entre les enfants. « Il était temps !» Et ils se sentaient extrêmement importants. Tandis que les enfants travaillaient sur la montagne, leurs parents étaient à la maison. Et au bout d'un moment, ils commencèrent à